Bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cet entretien et d'avoir différé vos heures de promenade sous ce beau soleil de Blois et dans cette salle magnifique. Nous avons le plaisir d'accueillir Michel Zinc. Michel Zinc, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, rapidement, je rappelle qui vous êtes quand même. Professeur au Collège de France, vous avez la chaire de littérature de la France médiévale, vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Commentaire, membre de l'Institut, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et vous avez publié il y a quelques mois « L'humiliation, le Moyen-Âge et nous » aux éditions Albin Michel. Alors ce que j'ai trouvé formidable, notamment dès le début de ce livre, c'est le prologue que vous avez écrit. En général, quand un historien réfléchit à son texte, il réfléchit tout seul. Et là, vous faites partager vos réflexions au lecteur, c'est-à-dire que vous réfléchissez à la notion d'humiliation aujourd'hui. Humiliation dans le monde du travail, vous citez notamment Simone Veil. Et c'est une façon aussi, d'un point de vue méthodologique, de faire coïncider ou de faire des allers-retours entre des problématiques contemporaines et des problématiques anciennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en se posant la question de l'humiliation dans le monde du travail ou ailleurs, ça vous amène à réfléchir, à revisiter la notion d'humiliation au Moyen-Âge, et inversement, la notion d'humiliation au Moyen-Âge peut-être a encore des résonances avec la période d'aujourd'hui. Oui. Vous avez tout à fait raison, et le mot d'aller-retour définit en effet très bien la façon dont je travaille, si on appelle ça du travail, et dont je pense qu'on appelle ça penser. Oui, je confirme. Oui, parce que si on s'occupe d'une époque du passé, la seule justification pour s'en occuper, c'est ce qu'elle peut nous apporter à nous. Mais la seule justification pour nous en occuper, c'est aussi d'apprendre à la connaître pour ne pas se tromper sur elle et pour ne pas trouver en elle une justification ou un repoussoir ou une aggravation des erreurs que nous commettons sur nous et sur notre propre époque. Et c'est vrai pour un historien. C'est encore plus vrai peut-être pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas historien, dont le domaine est la littérature. Parce qu'enfin, on peut dire, cela vaut la peine de connaître le passé en lui-même. Mais pourquoi aller lire des poèmes vieux de 8 siècles ou davantage ? Il faut qu'ils nous disent quelque chose de nous. Mais nous les comprenons nécessairement mal. Ils sont si vieux, ils n'ont pas été écrits pour nous. Alors, il faut les étudier sérieusement, objectivement, se donner la peine d'entrer en eux. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'ils nous apportent sur nous-mêmes encore beaucoup plus que nous le pensions au départ à partir des contresens que nous commettions sur eux. Donc, je passe ma vie dans le... Enfin, pas moi, nous passons tous. Nous qui partageons ces occupations, notre vie dans le va-et-vient. Mais s'agissant de l'humiliation, il y avait en cause quelque chose de beaucoup plus important encore. D'une part, alors bon, je parle que de moi, je me suis occupé de l'humiliation parce que c'est un sujet... qui me trouble, qui me taraude, parce que je suis comme tout le monde, parce que j'ai peur de l'humiliation, parce que j'ai peur aussi d'humilier, parce que je suis extrêmement sensible à l'humiliation, et que c'est quelque chose que je voulais explorer. Je suis médiéviste, mon seul moyen de l'explorer, c'était de retourner dans mon vieux Moyen-Âge. Mais pour cela, j'avais une très bonne raison, tout de même. C'est que je pense que notre relation si ambiguë et contradictoire à l'humiliation et le lien que nous faisons entre humilité et humiliation, lien qui ne va pas de soi et qui est probablement aujourd'hui en train de se distendre, eh bien, ce sont des vestiges du christianisme qui a modelé le Moyen-Âge. Dans l'Antiquité, humilis en latin, tapeinos en grec, ce qui est au ras de terre, humilis, ou plus bas que terre,
c'est toujours pris en mauvaise part. Mais pour nous, l'humilité peut être une vertu. Et surtout, nous qui avons si peur de l'humiliation, nous prenons toujours instinctivement le parti de l'humilier. Ce qu'on ne fait pas dans toutes les civilisations. Et je l'ai rapproché d'une contradiction majeure du monde médiéval, c'est que c'est une société de l'honneur, société féodale, société chevaleresque. Rien n'est plus redoutable que de perdre l'honneur. Et c'est une religion, et c'est une société qui est modelée par, qui est fondée sur une religion de l'humilité qui elle-même est fondée tout entière sur une scène d'humiliation qui est la passion du Christ. Et donc il faut se débrouiller avec cette contradiction. On se débrouille comme on peut, bien ou mal, comme on se débrouille avec la contradiction, souvent plutôt mal que bien, mais cette tension existe. Et elle est parvenue jusqu'à nous. Et pour moi, pour qui le sujet était important, pour qui le Moyen-Âge était important, et pour qui, j'avoue, les questions religieuses sont importantes ou me préoccupent, pour moi, eh bien voilà. Je me suis retrouvé à faire un cours sur 2 ans au Collège de France sur l'humiliation, et j'en ai tiré un livre. Voilà. Des cours qui sont téléchargeables, hein, j'imagine, sur le site du Collège de France. Sur le site du Collège de France. Mais il n'y en a plus parce que je suis très vieux et que depuis un an, je suis à la retraite. Vous êtes humilié, alors. Eh bien, voilà, je suis humilié. Hein. Mais les cours des années précédentes, ils sont encore sur le site du Collège, en audio, en vidéo avec traduction anglaise simultanée. Enfin, c'est une institution extrêmement narcissique. Peut-être pas autant que l'Institut de France, mais presque. Pardon. Alors, vous pointez dès le départ une contradiction dans la période que vous étudiez. L'époque médiévale, donc, c'est la période de la chevalerie, de l'honneur, de la force. Et en même temps, avec la religion chrétienne, il y a cette notion d'humilité qui vient se greffer et s'installer. Donc, il y a une contradiction entre les deux, alors. Oui, il y a nécessairement une contradiction. Le christianisme repose sur l'idée qui est exprimée de façon très claire dans une des épîtres de Paul, dans l'épître aux Philippiens, que Dieu s'est abaissé en prenant la condition humaine. Donc, abaissé, ça c'est l'humilité. Et puis, il est allé jusqu'à accepter la mort et la mort sur la croix, dit l'épître aux Philippiens. Ça, c'est l'humiliation. Et puis, il y a un rebondissement du texte. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et il siège maintenant à la droite du Père. Enfin, ce n'est pas dit comme ça, c'est cela que ça veut dire. De sorte qu'on est d'emblée dans cette tension, la plus grande gloire, le plus grand abaissement. Et le Moyen-Âge, qui prend au sérieux naturellement le christianisme, il ne peut pas faire autrement, il vit de cela, est convaincu que les grandeurs du monde ne sont rien aux yeux de Dieu. Il est convaincu que le modèle, c'est celui de la pauvreté. Suivre nu le Christ nu, qui est le mot d'ordre des réformes monastiques du XIe et du XIIe siècle. Il est convaincu que les premiers seront les derniers. Il lit dans l'Évangile la parole du Christ s'adressant à son Père, « Je te remercie d'avoir caché cela aux sages et aux habiles et de l'avoir révélé aux petits. » Et en même temps, il considère que l'ordre du monde est voulu par Dieu, que ceux qui sont au pouvoir, les rois, les princes, les papes, ont été désignés par l'Esprit-Saint, sinon ils ne seraient pas là où ils sont, qu'il faut obéir à l'ordre social. Alors, comment faire? C'est ce que vous saurez dans le prochain épisode. Mais la première représentation de l'humiliation, est-ce que ce n'est pas Adam? Quand dans les représentations, dans les peintures, oui, on le voit, la tête baissée, il est chassé, il est humilié, là. Oui,
Oui, c'est Adam, mais il faut voir que, naturellement, bon, le christianisme est une prolongation du judaïsme, enfin, une forme du judaïsme. Et dans l'Ancien Testament, enfin, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, l'humilité et l'humiliation existent, mais sont en bonne part au regard de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut être humble vis-à-vis de Dieu, mais pas spécialement vis-à-vis des autres hommes. Et nous lisons les psaumes, par exemple, un des livres de la Bible, ou peut-être le livre de l'Ancien Testament qui a été le plus récupéré ensuite par le christianisme, eh bien, on voit que la voix du psalmiste est toujours l'humilité vis-à-vis de Dieu, mais en même temps la peur d'être humilié par les hommes, ou la constatation rageuse finalement qu'il est humilié par les hommes. Le thème fréquent des psaumes, c'est Dieu, libère-moi de mes ennemis, humilie-moi, mêlé dans leur sauve-moi. Et le christianisme là-dedans va chercher la partie « Je suis humilié ». Et le christianisme, qui est même très frappant, est allé chercher tout de suite, dès les premiers textes, dès les évangiles, dès les premières décennies après la mort de Jésus, il est allé chercher les textes de l'humiliation dans l'Ancien Testament. Il n'a pas, Isaïe, le serviteur souffrant, il n'a pas détourné son visage des outrages et des crachats. Lorsque, dans les Actes des Apôtres, Philippe rattrape le char du général, de l'eunuque de la reine Candace, qui lit à haute voix la Bible, quand il le rattrape, comme par hasard, il est en train de lire le passage du serviteur souffrant, conduit comme un agneau à l'abattoir, il n'élève pas la voix, etc. Et ça tombe bien, c'est à propos de ça qu'il demande des explications à Philippe. C'est du velours. Ensuite, Philippe lui explique, on le devine, en le rapportant au Christ. Et avec la question, est-ce que le prophète dit cela de lui-même ou d'un autre? Ah, mais voilà, l'autre qui allait venir. Et dans les... dans les évangiles, enfin, 2,5 des évangiles, je n'entre pas dans le détail, racontent la passion en se fondant sur le psaume 21, où on dit maintenant souvent 22, enfin, vous savez, là, selon la numérotation qu'on prend, qui est, et en le prenant à l'envers. Là, c'est un psaume qui commence par « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eli, Eli, lama sabachthani, et puis qui ensuite dit, voilà, tout le monde se moque de moi, ils hochent la tête, ils disent que son Dieu le sauve, s'il l'aime, etc. Ils ont partagé mes vêtements, etc. Et les évangiles reprennent ces allusions au psaume dans l'autre sens. Ils ont partagé mes vêtements, ils se moquent de moi, etc. Et la dernière parole du Christ, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais quand on lit le psaume jusqu'au bout, il y a une seconde partie, une seconde moitié, qui est un retournement, et où le psalmiste dit « Ah, mais tu es venu à mon secours, maintenant tout va bien, etc. » Et ça, ça a disparu. Donc voilà, enfin, excusez-moi, je m'égare, je suis désolé. Mais enfin, voilà quel était le fondement, voilà ce que ce qu'au Moyen-Âge on avait sous les yeux, n'est-ce pas ? Ce qu'on lisait, ce qu'on méditait et ce qu'on comprenait. On le comprenait très bien, d'ailleurs c'est difficile de ne pas le comprendre, c'est assez clair. Mais la scène de la crucifixion, c'est une humiliation aussi, parce que il est crucifié à côté des brigands, des voleurs, etc. Et là encore, cette notion va être retournée à son avantage, si je puis dire. Oui, exactement. Là, c'était le supplice le plus infamant. Or, si je puis dire, un supplice n'est rien s'il n'est pas infamant. C'est pourquoi l'humiliation est importante. Alors, c'est une peine dégradante. Est une peine qui fait souffrir beaucoup plus
qu'une peine dont la souffrance physique est la même, mais qui n'est pas dégradante. On ne souffre pas de la même façon chez le dentiste ou quand on est torturé, même si le dentiste vous fait mal. La croix était non seulement un supplice atrocement douloureux, mais un supplice dégradant. Les évangiles ne décrivent pas seulement la croix, mais l'ensemble de cette dégradation. Le soufflet, on le gifle parce qu'il a mal répondu au grand prêtre. La couronne d'épines, les hommages ironiques de la garde, le portement de la croix, les injures des larrons ou d'un des larrons selon les versions, les injures des passants, etc. On ne nous épargne rien, alors que curieusement, ils sont si discrets, si rapides sur la résurrection et les apparitions ultérieures. Le récit de la Passion est très très long. Le Moyen-Âge, encore une fois, le sait bien. Et il y a toute la Semaine Sainte dans la liturgie pour le rappeler. N'empêche que cette croix devient très vite le signe du christianisme et de sa victoire. Et on le voit de toutes les façons. Dans le récit de la victoire de Constantin au pont, j'ai un trou, enfin bon, et le In hoc signo vinces, eh bien, ce signe dans les premiers témoignages n'est pas nécessairement la croix. C'est la révélation de la vérité christique. Mais très vite, c'est la croix. Dans les représentations où l'on montre médiéval, où l'on montre le Christ descendant aux enfers, en tirer ceux qui attendaient sa venue, on le voit, nous avons tout ça, tenant une sorte de la hampe, n'est-ce pas, une croix qui est presque une lance, une croix au bout d'une longue hampe avec une oriflamme. Donc, et très tôt, on a une exaltation de la croix, c'est une fête, l'exaltation de la Sainte Croix, et la croix devient un signe de gloire. J'en donne un exemple qui est particulièrement frappant, c'est une série de poèmes d'un poète, d'un évêque carolingien, Rabban Mort, et qui s'appelle justement « La gloire de la croix » ou « À la louange de la croix », et ce sont des calligrammes. Ce sont des poèmes qui sont écrits, enfin se lisent dans tous les sens, un peu comme un mot croisé, et formant des dessins ou avec des dessins inscrits dessus. Et ces dessins montrent toujours la croix, et ces poèmes, sauf deux vers que je cite, sont une exaltation de la croix, une louange de la croix, c'est la gloire, c'est la gloire de la croix. Et donc, on se sauve comme ça. On a tellement peur de l'humiliation que on arrive à s'en sortir comme cela. Et d'ailleurs, dans l'histoire de l'art, vous voyez qu'il y a deux écoles. Il y a une école qui représente un Christ, enfin deux écoles, c'est de tendance, un Christ humilié, souffrant, torturé, tendance qui culmine dans la Rénan de la fin du Moyen-Âge. Grunewald aussi. Comment ? Grunewald aussi. Oui, voilà, voilà. Et il y a une tendance montrant le Christ roi en croix. Il y a des crucifixions qui montrent un Christ couronné, non pas d'épines, mais sa couronne de gloire. Mais ce qui me frappe le plus, les représentations orientales vont plutôt dans ce sens, dans la chrétienté d'Occident, ce qui me frappe le plus, peut-être, c'est la représentation non pas du Christ en croix, parce qu'encore une fois, la croix est très vite exaltée, mais la représentation de ce qu'on appelle le Christ au lien. Ce Christ assis, misérable, presque nu, la couronne d'épines sur la tête et avec les mains liées. On en a un certain nombre de représentations, des sculptures souvent, à la fin du Moyen-Âge. Et je me rappelle, quand j'étais tout jeune, allant voir tout près d'Avallon, en Bourgogne, un petit prieuré complètement abandonné, et il y avait comme ça un Christ au lien vraiment saisissant. Et la dame qui avait la clé, qui me faisait visiter, me disait « Oh, ce Dieu aux menottes,
il me fait peur. Et cette expression, ce dieu aux menottes, était admirable, puisque effectivement, c'est la représentation de Dieu, ça veut être la représentation de Dieu, et il n'y a rien de plus humiliant que les menottes. Elles font partie, on menotte les prisonniers, même indépendamment du risque qu'ils ont de se sauver. Ça fait partie du rituel judiciaire de l'humiliation, les menottes, ce dieu aux menottes. Pardon. Alors, en lisant votre livre, j'ai pensé à Jérôme Bosch aussi, parce qu'il y a énormément de personnages un peu grotesques dans des postures invraisemblables, donc des scènes d'humiliation. Et dans la société civile, si je puis dire, vous citez aussi beaucoup d'exemples. Alors, les couples adultères qui sont promenés nus. Non seulement nus, mais attachés. Le monsieur par là où il a pêché, principe la dame aussi, par exemple, ça se fait. Il y a des représentations complaisantes dans les manuscrits des coutumes d'Agen, de Toulouse, etc. Enfin, pardon d'insister là-dessus. On les fait, on fait chevaucher des gens sur des ânes, à l'envers. Vous citez par exemple le fait que être décapité à l'épée. Bon, là encore, ça va, mais à la hache, c'est humiliant aussi. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des typologies de scènes d'humiliation dans cette période-là? Oui. Enfin, la période, d'ailleurs, le Moyen-Âge... C'est grand, oui. C'est grand. Hein. C'est un millénaire. Oui. Mais, alors, oui, il y a une typologie, mais non pas une typologie... aussi, le type de l'humiliation, c'est le pilori. Parce que c'est l'exhibition. Donc ça marche à tout coup, si je puis dire. Sinon, il est difficile d'avoir une typologie absolument stable, parce que l'humiliation est dans l'idée qu'on s'en fait. Il y a des choses qui peuvent être perçues comme humiliantes par une personne, pas par une autre. Dans une situation... pas dans une autre, dans une civilisation et non pas dans une autre. Et donc, il est très difficile de dire que quelque chose est objectivement humiliant. Lorsque Lancelot monte dans la charrette dans le Chevalier au Lion de Chrétien III, eh bien, Chrétien III doit expliquer pendant 20 vers pourquoi c'est humiliant. En soi, ce n'est pas forcément humiliant de monter dans une charrette. Dans cette situation, ça l'est. Donc, tout ce qui est exhibition offerte à la moquerie, c'est nécessairement humiliant. Mais dans les rituels de mise à mort, ça variait selon les pays et les pays proches. D'ailleurs, c'est pour moi qu'il est inventé, comme disait mon maître Félix Lecoy, ce que je vous dis, j'ai lu dans un livre. Et le monsieur, il l'avait lu dans un livre. Enfin bon. En France, on décapitait, alors c'était mieux donc, d'être décapité à l'épée qu'à la hache, mais surtout en France. En France, être décapité était honorable, être pendu était infamant. En Angleterre, être pendu n'était pas forcément infamant, mais selon la façon dont on était pendu, c'était infamant ou ça ne l'était pas. Mais c'est une question de convenance. Oui. Et c'est pourquoi, dans un pays tellement attaché aux manières et aux rites éloignés de nous, comme le Japon, maintenant, on a toujours peur d'être mal élevé, toujours l'impression d'être mal élevé et toujours peur d'être blessant parce qu'il y a des codes qui échappent. Et c'est pourquoi aussi, là, enfin, je parle trop de moi, mais je me dis, bon, tu as voulu monter, enfin, dans l'ordre modeste de l'université, mais... Bon, j'ai fait une carrière. Alors, tu es très content de la carrière. Bon, au Collège de France, secrétaire perpétuel, légion d'honneur, tout ça. Bon. Alors, tout ça, ça évite. Je me dis, ça évite l'humiliation. Alors, voilà, comme ça, comme un pauvre imbécile. Et en même temps, on s'aperçoit que plus on monte, plus on est exposé à l'humiliation. D'abord parce qu'on peut avoir des gens en face de vous qui brusquement se mettent à ricaner ou vous envoyer des tomates. Parce que des façons de s'adresser à vous, parfaitement admissibles dans une certaine station dans la vie, deviennent humiliantes.
quand on est dans une certaine position. Voilà. Et du coup, on est fragilisé et c'est bien fait. Alors justement, il y a une notion que vous mettez en évidence aussi, c'est la culpabilité. Alors ça vient encore brouiller les cartes, ça, la notion de culpabilité. Oui, alors oui, parce que la culpabilité, le sentiment que l'on a de sa culpabilité fait justement qu'on peut se dire c'est bien fait. Voilà. Comme dit le bon larron dans un des évangiles, nous au moins on l'a mérité. Voilà. Mais et en même temps, la culpabilité entraîne l'humilité. Donc le sentiment qu'on a de sa culpabilité est considéré comme une vertu. Voilà. Mais le sentiment qu'on a de sa culpabilité ne prépare pas nécessairement à l'humiliation, et surtout le sentiment que l'on a de la culpabilité des autres ne justifie pas l'humiliation. Et pour moi, enfin bon, comme ça, qu'on mette quelqu'un en prison, à la rigueur qu'on lui coupe la tête, on dit « on est désolé monsieur, on est obligé de vous couper la tête », peut-être. Mais dire à quelqu'un un petit mot qui le réduit à rien, qui l'abaisse et qui vous laisse totalement, vous-même totalement indemne, parce qu'on peut même nier avoir voulu être humiliant, etc., ça, c'est tout à fait impardonnable. Tuer quelqu'un, bon, on est vif, il vous a énervé, bon, ça peut arriver. Profiter d'une supériorité que l'on a l'impression d'avoir ou qu'il a l'impression qu'on a pour l'humilier, ça, c'est impardonnable. À mon avis, enfin, ce que j'en dis. Hein. Mais est-ce qu'un paysan, par exemple, un serf, se sentait humilié vis-à-vis d'un chevalier ? Parce que sa condition était de toute façon inférieure, donc oui, à la limite, ça. C'était normal. Oui, c'est ça. C'est que le sentiment de l'humiliation varie là aussi selon l'acceptation d'une situation sociale donnée. Le serf n'était pas en soi humilié d'être dans une situation sociale inférieure à celle du chevalier. Mais dans d'autres états de la société, quelqu'un qui peut se trouver dans une situation plus favorable que n'était le serf peut se trouver humilié par quelque chose de tout à fait minuscule. Et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui où il y a une sorte de sentiment rétrospectif de l'humiliation, voilà. De souffrir rétrospectivement de l'humiliation en pensant à la colonisation, à l'esclavage, etc. Et ceux dont les ancêtres ont souffert de cela se sentent eux-mêmes humiliés. Mais nécessairement, ils se sentent humiliés, enfin, ou probablement, ils se sentent humiliés de façon différente de la façon dont leurs ancêtres se sont sentis humiliés. Pas exactement de la même façon, pas exactement dans les mêmes circonstances. Il est très difficile de mesurer ce genre de choses, et c'est pourquoi, d'ailleurs, ça me justifiait de passer par des textes littéraires et par des récits de l'humiliation ou par des témoignages poétiques sur l'humiliation, parce que tout est dans l'expression. Alors on va y venir sur les textes, mais vous citez un texte de Bernard de Clairvaux, donc le cistercien Saint Bernard. Oui. « Si tu désires la vertu d'humilité, ne cherche pas à éviter le chemin de l'humiliation, car si tu n'acceptes pas d'être humilié, tu ne pourras pas être entraîné jusqu'à l'humilité. » Donc il est alors, presque jésuite là hein, quand même. Hein. Oui, pour un cistercien. Parce qu'il y a des traités d'humilité, mais il n'y a pas de traité sur l'humiliation. Non, il n'y a pas de traité de l'humiliation parce que l'humiliation est imposée d'une façon. L'humilité, d'abord, est une vertu ambiguë. Parce que d'abord, c'est une vertu qu'on ne peut pas se reconnaître.
C'est la vieille plaisanterie, le franciscain qui dit « pour l'humilité, je ne crains personne ». Mais on ne peut pas se dire humble. Et, mais en même temps, et d'autre part, Saint Bernard lui-même hésite sur la définition de l'humilité. Mais dans ce qu'il dit, l'humilité conduit à l'humiliation, où il ne faut pas avoir peur de l'humiliation si on veut être humble. Il y a derrière une des vraiment fondamentales et difficiles à vivre, surtout dans une époque comme le Moyen-Âge, c'est que les valeurs chrétiennes ou les valeurs auxquelles Dieu invite sont au contraire des valeurs du monde. Le monde admire ou recherche la richesse, l'honneur, les honneurs, la considération, le pouvoir, etc. Mais ce qu'il faut rechercher, c'est la pauvreté, c'est d'être le serviteur des serviteurs. Et donc, il faut rechercher tout ce que le monde méprise. Et si on le recherche sérieusement, on s'expose nécessairement à l'humiliation. On sera humilié comme un pauvre, un rien du tout, etc. C'est pourquoi Bernard de Clairvaux dit qu'il faut, on est humble au risque de l'humiliation. Et c'est quelque chose qu'il développe de toutes les façons. Il y a un texte dans une lettre où il dit « Nous sommes comme les jongleurs ». Alors les jongleurs étaient méprisés, etc., bon, étaient même excommuniés, etc., quelquefois. Les jongleurs qui marchent sur les mains et qui ont les pieds en l'air. Nous avons des valeurs qui sont à l'inverse de celles du monde. Et donc le monde se moque de nous, comme il se moque de ceux qui font le poirier. Mais c'est cela qu'il faut rechercher. Et ce jeu est un jeu qui plaît à Dieu et aux anges. Et il dit « ludam ut illudar » avec l'actif et le passif. « Je jouerai pour que je sois joué, mais ça veut dire pour qu'on se moque de moi, pour qu'on se joue de moi. » Voilà, c'est en ce sens. Et il cite aussi l'exemple de David dansant nu devant l'arche et sa femme, Michol, se moque de lui. Il se ridiculise. C'est humiliant d'être tout nu et de danser tout nu. Mais c'est David qui a raison et pas Michol. Michol, c'est la tentation du monde. Alors, pour rester dans la nudité, il y a une scène célèbre aussi, enfin, dont avait déjà parlé Jacques Le Goff dans son beau livre sur François d'Assise. Oui. François d'Assise, voilà. Il est traîné dans la boue, on lui jette des pierres et il se met nu, il se dévêt complètement voilà. En s'exposant à l'humiliation et en la recherchant. Voilà, c'est ce qu'il fait. Donc sur la place d'Assise, le fils d'un notable, de ce marchand, Bernardone, et il se met nu, ce qui est à la fois choquant et ce qui invite au rire. Mais dans cette simplicité de François, il l'applique à la lettre. Ce mot d'ordre que je citais tout à l'heure, nudus nudum Christum sequi, ou sequere à l'impératif, suit nu le Christ nu. Parce que quand on voulait suivre le Christ, se dépouiller de tout, on se faisait moine. Oui, mais l'ordre, au début, les seuls moines, c'était les bénédictins. Non, c'était un ordre infiniment puissant, infiniment riche. Alors que faire ? Nudus nudum Christum sequi. On réformait l'ordre bénédictin et on en créait une variante plus pauvre et plus austère, exigeant plus de dépouillement de la part des moines. Les cisterciens, justement, avec Robert de Molem, puis Saint Bernard de Clairvaux, Saint Bruno, avec les chartreux, Saint Norbert, avec l'ordre de Prémontré. Mais chaque fois, au bout de quelques années, ils étaient aussi riches que les autres. Et la grande nouveauté avec François d'Assise et avec Dominique de Guzman, Saint Dominique, c'est de créer des ordres qui seront, eux, mendiants. Ce n'est pas seulement le religieux
qui sera pauvre. Il ne sera lui-même pas cloîtré, il ira prêcher, etc. Mais l'ordre lui-même sera pauvre. Alors ça n'a qu'à moitié marché parce qu'ils n'ont pensé qu'à ce qui était la richesse à l'époque, qui était la richesse foncière. Et les ordres mendiants n'ont pas le droit de posséder de terres. Mais ils avaient le droit d'accepter de l'argent. Enfin, c'est sans solution. Alors vous citez beaucoup d'extraits de textes. Alors vous citez les pastourelles. Dites-nous exactement ce que c'est pastourelle. Oui, les pastourelles. C'était ma thèse de troisième cycle. J'ai commencé ma vie professionnelle avec les pastourelles. Les pastourelles, ça a l'air idiot comme ça. Ce sont des chansons qui sont à la lyrique, mais dialoguées, dramatiques et narratives, d'une certaine façon, et dans lesquelles le chevalier ou le notable, enfin celui qui est à cheval, hein, dans la campagne, rencontre une bergère et lui fait des propositions. Et puis ce qui se passe ensuite, elle veut bien, elle veut pas, d'abord elle veut pas, ensuite elle veut bien, il la viole plus ou moins, les bergers arrivent et le chasse, etc. Bon. Mais du point de vue d'aujourd'hui, ce qui retient l'attention dans les pastourelles et dans toutes les formes littéraires et scènes littéraires qui mettent en scène la confrontation d'un paysan, d'une paysanne et d'un noble. C'est que on pourrait penser que l'humiliation joue dans un seul sens. Le chevalier ou le séducteur humilie la bergère. Non, le chevalier humilie les paysans qu'il rencontre. Or, l'humiliation joue dans les deux sens. Et les effets comiques du texte, quand il y en a, jouent sur ce double sens, parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure de la fragilité de celui qui se croit supérieur. Le chevalier s'adresse à la bergère en lui parlant comme s'il s'adressait à une dame de haute naissance à qui il ferait la cour. Il se moque d'elle. C'est une façon de l'humilier, de la traiter comme une grande dame alors que ce n'est pas du tout une grande dame. Mais la bergère sait très bien se défendre. Elle s'enferme, elle se défend dans son rôle de bergère. Elle dit, oh, bon, je ne connais rien à tout ça, qu'est-ce que vous me racontez, c'est des bêtises. Et elle renvoie le chevalier à ses fadaises avec son bon sens et aussi avec son ignorance. Son bon sens, dans la plus ancienne pastourelle conservée, qui est en Languedoc, alors que c'est un genre surtout développé en Languedoïl, où la bergère ridiculise tout ce que le chevalier lui dit. Et avec ses limites, parce que la bergère ne comprend pas vraiment le beau langage du chevalier. Elle n'est pas capable de l'apprécier et elle ne sait même pas exactement ce que c'est qu'un chevalier. Donc, le chevalier peut parader avec son cheval, ses beaux habits, etc. Elle, ça lui fait du chaud du froid, ça lui est complètement égal. Elle ne comprend même pas de quoi il s'agit. Voilà. C'est comme si, supposer avec tout le respect que je dois à la chose militaire, un général essayait de la séduire et qu'elle lui disait, qu'on trouve dans les contes, « Mais moi, mon petit ami, il est maréchal des logis, un maréchal, ça. » Et c'est le... Et il y a beaucoup de situations de ce genre. Par exemple, dans une des premières pièces de théâtre française, Le jeu de la feuillée d'Adam de la Halle, où un chevalier essaye de séduire Marion, et on ne sait, elle comprend de travers tout ce qu'il lui donne, les questions qu'il lui pose, et on ne sait pas, il est impossible de savoir si elle le fait parce que c'est une bécasse ou parce qu'elle se moque de lui. Et il lui dit, est-ce que tu as vu... donc il chasse, et c'est le moyen d'engager la conversation. Est-ce que, belle bergère, est-ce que tu as vu une âne, une canne, la femelle du canard, mais ça se dit âne, A-N-E. Et elle fait en semblant de comprendre asne, A-S-N-E, l'âne. Alors elle dit, c'est une bête qui braie ? Oui, oui, il y en a trois qui reviennent du moulin. Alors, tu n'as rien compris. Est-ce que tu as vu des hérons ?
Oh, des harengs, ben, j'en ai pas mangé depuis le carême, etc. Et la conversation se continue comme ça, et quand il en vient au fait, c'est-à-dire il lui fait des propositions, et ben, elle se défend comme ça, elle se défend en faisant la bête. Et il y en a d'autres exemples. Et alors, le résultat, c'est que le noble peut se trouver intimidé par ce paysan qui ne comprend pas qui il est, qui n'arrive pas à le reconnaître à la place où il est. C'est ce qui arrive à Calogrenant avec le vilain qui garde des taureaux sauvages au début du Chevalier au Lion de Chrétien III. Est-ce qu'il y a une aventure pour un chevalier dans le coin ? Oh, ben une aventure, ben, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Oh, ben, les chevaliers, je ne sais pas ce que c'est. Mais si vous allez à la fontaine, vous verrez bien ce qui vous arrive. Il voit ce qui lui arrive. Hein. Il reçoit il se fait battre. Et où, dans Aucassin et Nicolette, où Aucassin pleure dans la forêt parce qu'il a perdu sa Nicolette. Puis Aucassin, ça veut dire l'oison, n'est-ce pas ? Il est un peu bêta, justement, Aucassin. Mais enfin, c'est le fils du comte. Et il rencontre un bouvier et il n'ose pas lui dire pourquoi il pleure. Il dit qu'il pleure parce qu'il a perdu un lévrier blanc. Et le bouvier l'injurie. Il dit, oh, je sais bien que vous êtes le fils du comte. Oh, pleurez. Votre père peut vous offrir autant de chien que vous voulez, n'est-ce pas ? Et vous êtes là à pleurer. Mais moi, j'ai perdu Roger, le meilleur bœuf de ma charrue. Et si je ne le retrouve pas, il faudra que je le rembourse. J'ai pas de quoi le rembourser. Et ma pauvre mère, alors, qui est couchée sur la paille. Alors, il se lamente comme les pauvres gens se lamentent pour apitoyer. Et alors vous pleurez pour un chien de merde, dit-il, un chien de Longaigne. Et alors, Aucassin dit, oh, merci, beau frère, tu as de bons conseils, etc. Et puis, il lui paye son bœuf au prix fort. Et c'est une situation qu'en fait, tout le monde connaît, là, d'être intimidé par quelqu'un, enfin, personne n'est inférieur à personne, mais enfin, dont on a l'impression qu'il ne voit pas très bien. Et alors on en fait des tonnes pour se faire pardonner d'être ce qu'on est. Enfin, je dis comme ça, c'est pas correct de le dire, mais rentrez en vous-même, nous connaissons tous ce genre de situation. Alors, vous citez un texte célèbre aussi, bon, qui a été d'ailleurs encore popularisé avec Léo Ferré, et même j'ai vu John Baez aussi avait chanté cette... absolument. Donc, c'est Rue de Bœuf, que sont devenus mes amis, qui étaient si proches, etc. Donc, vous connaissez. Mais alors, vous citez un autre passage. J'ai pris une femme que nul sauf moi n'aime, dont nul ne fait cas. Elle était pauvre et dans la gêne quand je l'ai prise. Ah, quel beau mariage. Maintenant, me voilà pauvre et dans la gêne, autant qu'elle. Elle n'est même pas jeune ni belle, elle a 50 ans dans sa corbeille, elle est maigre et sèche, je n'ai pas peur qu'elle me trompe. Là. Oui, alors... Ça... Là, il ne fait pas dans la nuance, là. Hein, non, il ne fait pas dans la nuance. Non. Alors, c'est désagréable pour la pauvre femme, naturellement, mais ça l'est encore plus pour lui, parce que c'est un ensemble de poèmes la chanson de Léo Ferré, d'ailleurs, admirablement faite, c'est un montage de plusieurs citations, de plusieurs poèmes de Rue de Bœuf, et dans lesquels donc, il explique qu'il a épousé cette femme, il a été idiot, puis alors après, il a eu tous les malheurs, alors figurez-vous qu'elle a accouché. Alors bon, il faut mettre l'enfant en nourrice, il n'a pas de quoi payer la nourrice, alors sinon l'enfant va revenir brailler à la maison. Puis pendant ce temps, il a été malade, alors il n'a pas pu gagner d'argent, il a perdu son œil droit, son meilleur œil, puis son cheval s'est cassé la jambe. Oh, qu'est-ce que donnera bon comte de Poitiers, donnez-moi de l'argent, etc. Et donc, il se met en scène avec ses malheurs, dans une situation humiliante, et d'autant plus humiliante qu'il décrit aussi ses vices, il ne peut pas s'empêcher de jouer, il ne peut pas s'empêcher de boire, etc. C'est bien de sa faute s'il est dans cet état. Et pour attirer la pitié et donc l'argent d'éventuels mécènes, mais aussi sa poésie est faite comme cela, et c'est une poésie d'exhibition de sa misère et de ses vices, et c'est vraiment une poésie du poète qui se montre humilié. Et on a dit Rue de Bœuf, l'ancêtre des poètes maudits, ce n'est pas faux. Alors il y en a un autre aussi, donc c'est Eustache Deschamps, qui dans le même registre alors va encore plus loin. Hein. Si quelqu'un doit bien être sacré le roi des laits, pour sa grande laideur à nul autre pareil, c'est moi qui le serai de droit et de raison. Car j'ai le groin d'un sanglier et la face d'un singe. Mes dents sont longues et mon nez camus, mes cheveux noirs, mes joues barbues et mes yeux regardent de travers.
J'ai le front et le corps velus, je suis le roi des laids, régnant sur tous les autres. Ma figure est étrange depuis longtemps déjà. On peut me peindre comme un mort, M-A-U-R-E. Je suis couvert de taches, tout difforme, petit et rond et gros, bras trop courts. On doit bien me couronner roi. Je suis tout courbé et bossu, grêle du bas, gras du haut. Aucun roi souverain n'est formé comme moi. Je peux donc en conclure, je suis le roi des laids, régnant sur tous les autres. Oui, il va encore plus loin, lui. Il va encore plus loin. Puis alors, il y a des poèmes en ce moment, il est vieux, où, enfin, comme, où il regrette. Nous sommes à Blois. Je peux dire qu'il regrette son vite d'Orléans, dit-il. Mais non pas que les Orléanais, mais il avait fait ses études à Orléans, donc il regrette le temps de sa jeunesse, où il était bien. Mais lui a vécu dans une situation humiliante. Il était une sorte de parasite, enfin de parasite, non. C'était un familier de très grands personnages, du frère du roi, d'Enguerrand VII de Coucy, etc. Il vivait à leur crochet, n'est-ce pas ? C'était un amuseur. Il fallait toujours qu'il soit drôle. Donc il était dans une situation à la fois de famille, il était de toutes les parties fines, et en même temps, on pouvait le traiter n'importe comment, le mettre à la porte s'il déplaisait. En soi, son statut social était en lui-même humiliant, et sa poésie, qui est entièrement immense, il y en a 11 volumes dans l'édition du Marquis de Côte-Saint-Hilaire, sa poésie est une poésie de circonstances, et chaque fois, le montrant avec une amertume de plus en plus grande à mesure que la vie passe et qu'à l'âge qu'il atteint, c'est difficile de conserver ce statut. Il se montre dans cette situation humiliante. Alors, ce que je trouve vraiment formidable dans ce livre, et encore une fois, c'est un livre qui donne envie de lire ou de relire les textes du Moyen-Âge. Et on les relit d'autant plus volontiers que, par exemple, la chanson de Roland, vous montrez comment, on se souvient tous de Roland, mais vous montrez que le traître Ganelon, au préalable, avait été humilié. Et de la même façon, Lancelot, qui s'humilie volontairement en montant dans une charrette pour délivrer Guenièvre, mais Guenièvre après elle essaye de lui imposer des règles d'humiliation. Elle lui dit si tu m'aimes, au tournoi tu vas te faire battre, et puis si tu m'aimes, au prochain tournoi tu vas devoir être vainqueur. Donc ce sont des textes qu'on croit connaître, mais en réalité vous allez débusquer l'humiliation là où on ne pensait pas la trouver. Elle est facile à débusquer, et d'ailleurs dans ce cas-là, mais pour le tournoi où elle lui dit faire mal, bien, en fait, c'est pour le reconnaître, parce que Lancelot est incognito au tournoi, le visage masqué par son haume, sans son blason, et il se bat tellement bien que Guenièvre pense que c'est lui. Comment en être sûr ? Elle envoie sa suivante se faufiler et dire à ce chevalier « Oh, Nodes, faites du pire que vous pouvez ». Et à ce moment-là, il devient lâche, il reçoit des coups, il est absolument lamentable. C'est un peu risqué quand même. Et c'est risqué, oui. Et alors elle envoie la servante, lui dire au mieux. Et à ce moment-là, elle devient, alors elle est sûre que c'est Lancelot. Seul Lancelot, qui était monté pour elle dans la charrette et qui avait enduré les outrages à cause d'elle, était capable de renoncer à la gloire du tournoi par amour pour elle. Et Ganelon, alors ? Alors Ganelon, c'est... au moment où il s'agit, au début de la chanson de Roland, enfin, pas le temps d'entrer dans le détail, il faut désigner un ambassadeur pour aller auprès du roi sarrasin Marsile à Saragosse et savoir si on accepte les propositions de paix mensongères, le lecteur ou l'auditeur le sait, de Marsile. Ganelon dit qu'il faut les accepter, Roland dit qu'il faut les refuser. Charlemagne implicitement les accepte, veut envoyer un ambassadeur. Ganelon a gagné. Il demande qui envoyer comme ambassadeur. Plusieurs se proposent. Roland lui-même, Olivier, les pères, l'archevêque Turpin, le duc Mnem, le vieux conseiller de Charlemagne. Et il les récuse tous. Ils sont trop proches de lui. Il a trop besoin d'eux. Donc il reconnaît que c'est dangereux, l'ambassade. Et alors il reprend... Franc chevalier de l'empereur Charles, désignez-moi un baron de ma marche pour qu'à Marsile puisse faire mon message. Et Roland dit, ce sera Ganelon, mon parâtre,
ce sera Ganelon, mon beau-père, puisque la sœur de Charlemagne, mère de Roland, d'ailleurs Roland est peut-être le produit, le fruit de l'inceste, toute chose, est maintenant mariée à Ganelon. Et Ganelon est naturellement humilié. Il est humilié parce que Roland le désigne alors que Charlemagne a dit qu'il ne voulait pas des gens qu'il aimait trop. Ça veut dire qu'il aime moins son beau-frère que les autres. Et il dit « ce sera Ganelon, mon parâtre, donc mon beau-père, son aîné, qui a une autorité sur lui, alors que lui est à l'abri. » Charlemagne dit « non, non, je ne veux surtout pas vous envoyer. » Et en même temps, comme il est flatteur d'être chargé de cette mission tellement importante, Ganelon ne peut pas se défendre. Il ne peut pas dire explicitement. C'est humiliant d'être désigné comme ambassadeur par l'empereur. C'est impossible. Et donc, il se fâche. Il dit, fou, je le sais bien, on le sait bien que c'est ton parâtre, etc. Et quand Roland l'entend, il se met à rire. Fin de la laisse. Et à ce moment-là, Ganelon se lève, il rejette ses grandes peaux de martre, il reste debout dans son bliot de soie. Il est si beau que tous les pères le regardent, dit-on. Et donc, il y a une grandeur de Ganelon, et Ganelon est tellement humilié qu'il se débrouille pour que Roland se fasse tuer par Barcine. Mais enfin, si on lit la chanson, on voit que la seule trahison de Ganelon, c'est de dire à Marsile attaquer l'arrière-garde et de se débrouiller pour que Ganelon commande l'arrière-garde. Et il parie sur le caractère de Roland commande l'arrière-garde. Il parie sur le caractère de Roland qui est tellement orgueilleux que, voyant que l'arrière-garde est attaquée, n'appellera pas au secours. N'appellera pas au secours à temps, donc ils seront tous tués. Et c'est ce qui se passe. Mais c'est un pari psychologique sur ce caractère orgueilleux, cassant, arrogant, on l'a vu. Un péché d'orgueil de Roland, ça ne fait pas de doute. Et Ganelon, ensuite, naturellement, est accablé, mais Charlemagne n'arrive pas à le faire condamner. Ganelon dit « c'est une vendetta personnelle, j'en voulais à Roland et au père, c'est tout ». Et le tribunal l'absout, on doit recourir au duel judiciaire. Enfin, pardon, Alors... quel texte conseilleriez-vous pour se replonger dans le Moyen-Âge ? Ah, alors, indépendamment de tous ceux qu'on a évoqués, Oui. Non, pour, je dirais les romans de Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, bon, ça a l'air banal de dire ça, mais c'est vraiment, c'est pas un bon poète ou un bon romancier pour le XIIe siècle. C'est un des plus grands écrivains français. Et ce n'est pas pour recommander ma collection ou une autre, d'ailleurs, il y en a d'autres comme ça. Lisez-le dans une édition bilingue, parce qu'en ancien français seul, c'est difficile tout de même, mais en traduction, ça perd énormément parce qu'il y a une fluidité des octosyllabes, pas une cheville, il rime avec une facilité, avec une légèreté, avec une malice merveilleuse. Bon, c'est ça. Lisez, alors là, il faut une traduction, c'est un peu difficile, quelques troubadours de Languedoc, une poésie extraordinairement profonde, subtile, pas mièvre, mais souvent, au contraire, extrêmement âpre dans les souffrances de l'amour. Et, bon, lisez les grands poètes, la fin du Moyen-Âge, c'est Villon, Charles d'Orléans, etc. Et il faudrait lire, mais malheureusement, il n'y a pas, je dis toujours que je ferai un jour, il n'y a pas de traduction complète disponible, j'en cite de larges extrêmes, enfin, ça ne suffit pas, les congés de Jean Baudel pour revenir à l'humiliation et terminer sur elle. Jean Baudel est un très grand poète, il n'est pas très connu aujourd'hui, mais c'est un très grand poète d'Arras, à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle, avec une œuvre très variée, très originale. Et à Arras, qui était le grand centre littéraire en France à l'époque, cette ville où les jongleurs étaient seigneurs, et qu'on connaît très bien à cause du nécrologe de la confrérie des jongleurs et bourgeois d'Arras. Jean Baudel, donc auteur de chansons du geste de Pastourelle, justement, de la première pièce de théâtre entièrement en français, etc., prend la croix pour partir pour ce qui sera la quatrième croisade, celle qui sera dérivée et qui ira prendre Constantinople. Bon. Et au moment où il va partir, en 1202, il s'aperçoit qu'il est lépreux.
Donc, il ne peut pas partir. Il perd l'indulgence plénière accordée aux croisés. Donc c'est comme une malédiction de Dieu, une double malédiction. D'être lépreux, il y avait toujours un soupçon de culpabilité sur les lépreux, pour eux ou pour leurs parents, considérés que c'était lié à une faute, généralement une faute d'ordre sexuel. Et il ne peut pas partir pour la croisade, et il n'a qu'une chose à faire, c'est de quitter la ville, il n'a pas le droit de rester, et d'aller dans une léproserie où il attendra la mort. Et on sait effectivement qu'il est mort dans la léproserie de Beaurain, à 8-10 km d'Arras, 6 ans plus tard. Bon. Et il écrit un poème qu'il appelle « Ses congés », poème de plus de 500 vers. Et dans ce poème, il nomme tous ses amis et il prend congé de chacun. Donc ça pourrait être très ennuyeux. Bon, on les connaît, puis par le nécrologe, on connaît bien Arras souvent. Ces gens ont existé, on sait qui c'est. Bon, il prend congé. Mais en prenant congé de chacun d'eux, c'est le moyen pour lui de méditer sur son mal, d'essayer d'y voir non une malédiction, mais une grâce, s'il est capable de l'accepter avec humilité, comme une grâce. Et Dieu qui tout et rien surmonte, en pénitence le me compte, car trop aurait en deux enfers. Et Dieu qui est au-dessus de tout me le compte comme une pénitence, parce que deux enfers, ce serait trop quand même. Non, non, bon. Et donc il médite sur la signification de la lèpre, et en même temps il s'exhibe lépreux pour rire de lui-même avant que les autres le fassent. Voilà. Ce qui est vraiment la façon de se sortir d'une situation d'humiliation. Et il dit, Alain, je prends congé de vous parce que je m'en vais, j'aime mieux partir qu'on me boute, j'aime mieux partir avant qu'on me mette à la porte. Et tout le poème est sur la douleur de cette situation, sur l'humiliation à la fois assumée, repensée comme une pénitence, et puis quand même pas recherchée, et l'espoir de l'au-delà. Et il dit « Hors prime veuille mon sens éclore, mon cœur ouvrir et mes yeux clore, car il m'ajorne et s'y m'annuite. Et maintenant, je veux faire éclore comme une fleur mon esprit, hein, fermer les yeux et ouvrir mon cœur, car pour moi, le jour se lève alors que la nuit tombe. » Et le retournement de l'humiliation qu'il vit en grâce est explicite. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ? Bon, bah, je prends ça comme une réponse alors, hein, en quelque sorte. Oui, mademoiselle, madame ? Mais venez alors. Oui. On parlait très fort, je suis sourd comme un pot, hein, vraiment. Bonjour. Vous nous avez parlé de beaucoup de récits d'humiliation et notamment d'humiliation d'hommes qui s'en trouvaient grandis et qui obtenaient une certaine forme de rédemption. On retrouve bien le côté chrétien derrière tout ça. Et il m'est venu quelques exemples féminins. Je pense à Marie-Madeleine qui s'humilie en nettoyant les pieds de Jésus et qui obtient sa reconnaissance pour ça. Je pense à Philippa de Hainaut qui s'humilie pour obtenir la grâce des bourgeois de Calais, mais je ne trouve pas d'exemple, peut-être par manque de culture, je ne sais pas, d'exemple de femmes qui auraient obtenu une rédemption par leur auto-humiliation ou humiliation imposée par quelqu'un d'autre. Est-ce que vous, avec votre infinie culture, vous avez des exemples au Moyen-Âge ? Oui, du côté d'une femme qui... C'est-à-dire, en fait, les femmes qui trouvent une rédemption dans l'humiliation ne sont pas vraiment humiliées parce qu'elles le font volontairement. Style Marie-Madeleine, style Sainte Marie l'Égyptienne, enfin ce genre de choses. Et
Effectivement, enfin peut-être qu'à peine pas sorti d'ici, je me dirais bon sang, bien sûr. Mais je ne vois pas, vous avez raison, une femme qui, après avoir subi une humiliation imposée, en tirerait rédemption. Ça doit bien exister pourtant dans la vie des pères, mais... Justement, voilà, il y a des contes pieux ou des miracles de la Vierge. Par exemple, une femme qui commet un inceste et qui le dissimule, qui est considérée comme extrêmement pieuse, etc. Et qui, mais alors, elle y est un peu acculée, n'est-ce pas ? Au moment d'être dévoilée, démasquée plutôt par le diable, trouve le courage, mais ça c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, qui est important, trouve le courage de se confesser. Voilà. Et donc, cette humiliation de la confession devant laquelle elle avait reculé, elle l'accepte. Et ça, on en trouve d'autres exemples, et il y a beaucoup de textes de prédicateurs, etc., sur le fait qu'il ne faut pas redouter que la confession est humiliante, mais qu'il ne faut pas redouter cette humiliation. Il y en a une autre, alors là, c'est une histoire très compliquée, elle a tué un tas de monde, enfin, je ne me rappelle même plus tellement c'est compliqué, tellement elle a tué de gens, enfin, par une sorte d'enchaînement. Au début, elle n'est pas coupable, au contraire, elle est victime d'un séducteur, et ça l'entraîne ensuite dans le crime, et là aussi, à la fin, elle s'offre à l'humiliation et au châtiment, et du coup, elle est sauvée. Dans sa direction, on en trouverait. Vous avez décrit l'humiliation infligée et subie par les lépreux au Moyen-Âge. Selon vous, quel est le rapport entre maladie et humiliation pour nous aujourd'hui? Oui, alors... Pour nous, aujourd'hui, nous sommes au contraire, enfin, théoriquement, nous sommes soucieux, nous sommes très sensibles à l'humiliation, et soucieux de ne pas humilier le malade. Dans la pratique, c'est naturellement différent. Hein, et un malade, aujourd'hui, dans le contexte de l'hôpital, même si tout le monde est charmant, etc., est nécessairement humilié. Et il y a quelque chose à quoi je pense de plus en plus à mesure que mes derniers jours approchent. C'est que la médecine aujourd'hui est très fière de prolonger la vie, et on dit on vit plus longtemps et en meilleure santé. Ce qui est vrai. Statistiquement, c'est vrai. N'empêche que, il suffit de regarder notre propre vie, de regarder autour de nous, on a partout autour de nous des personnes âgées, dépendantes, comme on dit, diminuées intellectuellement, qui sentent venir la diminution intellectuelle, et qu'on est très fiers de garder en vie jusqu'à un âge extrêmement avancé. Eh bien, il me semble qu'il peut y avoir là une cruauté que nous ne mesurons pas, mais qui nous sera un jour reprochée. Parce qu'il est frappant que chaque époque est très très sensible aux humiliations infligées par les époques ou à la cruauté des époques précédentes et totalement aveugle à la sienne propre. Eh bien, je me demande si la nôtre, ou une partie de la nôtre, n'est pas à chercher de ce côté. Et j'ai une petite fille qui est en quatrième année de médecine. Elle a fait par pur dévouement, elle n'était pas obligée, un stage d'aide-soignante dans un service de gériatrie.
Et elle me disait, ils sont si gentils, monsieur un tel, il est si gentil, puis il est mignon, il est content quand il y a de la crème au chocolat. Mais je lui ai dit, tu sais, moi, j'ai pas du tout envie qu'un jour on dise de moi, il est mignon, il est content quand il y a de la crème au chocolat. Voilà. Bien, il va Mais falloir qu'on laisse la salle. Je vous rappelle que vous pouvez trouver le livre à la librairie. Merci beaucoup.